catch 'em all. Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Mathis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Alors puisque la saison 6, puisque la saison 9 a débuté, donc maintenant il y a plein de glitch, donc je vais vous en présenter quelques-uns. Un peu sur glitch, elle va se faire un Ritero, donc un Mediamal maintenant. Pour cela il va falloir une bulle, donc moi je vous conseille de spawn à Lonely Lodge et de prendre une bulle qui est à Lonely Lodge. Et vous faire pas mal de construits parce qu'une fois que vous êtes dessous la map pour votre glitch, donc vous pouvez buter des gens et tout. Donc vous pouvez faire des master kills, mais bon, faites-le pas. Faites-le entre potes, c'est plus drôle. Au moins vous trollez vos potes. Parce qu'après ça se fait pas pour les autres gens et vous risquez de vous faire ban. Donc je le répète pas assez souvent, les gars. Donc abonnez-vous à ma chaîne parce qu'en général, quand je sors une vidéo de glitch, une semaine après, il est patch. Activez ma cloche des notifications. Même des fois, vous n'allez pas recevoir mes notifications. Ça arrive à presque tous les youtubeurs en France. Donc n'hésitez pas à regarder après tous les deux jours, voir si je sors une vidéo. Et donc c'est parti, je vais à Lonely Lodge pour prendre une bulle. Farm la construit, bon on n'a pas besoin quand on est en mode créa, perso, moi j'en ai pas besoin. Et oui, après je vous ferai voir un autre glitch qui est un peu comme celui qui était à Titan Tower. Vous pétez une plaque et vous êtes dessous, personne ne vous voyait et vous pouvez buter des gens. Donc oui, donc sur cette map, à ce qui paraît, il y a plein de glitch. Les glitch sortent tous les jours et tout, donc c'est un truc de fou. Bah quand ils refondent les villes en général, il y a plein de glitch. Donc c'est parti, je prends une bulle et vous allez devoir vous rendre comme moi sur la map. Donc là, regardez bien la carte. Donc là, vous allez aller pareil que moi sur la carte. Donc là, je vais mettre un point, je zoome, je mets mon point. Ça brille ici. Là, il y a un petit bâtiment. Donc c'est parti, on y va. Ah oui. Et donc, c'est parti. Vous pouvez aller jusqu'après sous la maison niche où j'ai lancé mon phare de poche qui va bien nous faire chier pour le glitch. Quand on sera dans le glitch. Mais bon, c'est pas grave. Une fois qu'on sera dans le glitch. Donc là, c'est la maison là à gauche où j'ai construit des rampes. Donc là voilà, donc là vous allez aller comme moi là dans ce sort de parvis. Les deux plaques que vous voyez en dessous, vous pouvez les casser, c'est complètement what the fuck. Voilà voilà. Et là comme vous voyez, vous allez pas pouvoir aller dedans, d'où l'intérêt de la bulle. Parce que là quand vous allez essayer d'aller dedans, ça va vous faire bugger. Donc voilà pourquoi il nous faut la bulle. Après il faut pas se prendre la bulle barrière qui est dessous, donc vous allez construire comme moi maintenant. Donc j'en ai un peu chié. Vous pouvez le faire de ce côté ou de l'autre côté où il y a ma bulle, ça ne change rien. Donc là je me suis trompé, voilà, faut bien le mettre sous vous, voilà, comme ça. Casser celui-là. Et mettre une pyramide. Donc là j'ai pas mal lâché, je sais pas pourquoi. J'avais ma manette, elle buggait un peu. Voilà. La pyramide, faut mettre une pyramide dessous, coller à votre escalier, voilà. Pif, parfait. Maintenant faut prendre la bulle et aller dessous avec. Et vous pourrez casser les arbres et tirer à travers. Ce qui est assez cheaté pour un glitch. Donc voilà, une fois que vous êtes là, vous allez là. Et par contre, il doit y avoir des dead barrières tout en bas. Et ça, c'est un endroit, il y a des murs invisibles, mais qui vous tuent pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux casser la voiture. Si vous n'avez pas pris à construire, vous pourrez casser les arbres à travers ou casser des briques. Avec votre pioche. Donc c'est parti. Donc là, on va aller jusqu'à la maison niche. Parce que la maison niche, ça fait une sorte de petit parcours. Où vous pourrez sortir à la fin de ce petit parcours. En plus, c'est assez stylé. Donc c'est pour ça que je voulais juste aller voir. En gros, vous allez être sous la maison secrète de la maison niche, c'est un peu bizarre à dire, mais bon, voilà. Et donc, j'y vais. Ah, ça fait un peu mal à la tête quand j'ai fait ça. Ah. Je le referai pas la prochaine fois, les amis, promis. Donc voilà, donc vous allez aller là-bas. Donc c'est là où mon fort de poche, je vous ai dit, va vous faire chier. C'est en général, il n'y a pas le fort de poche que j'ai lancé, donc voilà. Donc là, normalement, vous allez suivre tout mon petit parcours qu'il faut faire. Mais bon... J'ai lancé un fort de poche de merde, donc ça va bien nous faire chier. Donc c'est pour ça que ma vidéo dure un petit peu longtemps. Donc là, casser ça. Après, de toute façon, je vais faire en accéléré, les gars. Voilà. Et voilà. Donc là, vous pouvez aller là et continuer le parcours comme moi dans la vidéo en accéléré. Si vous au pire, vous suivez le truc gris. Voilà, une fois que vous avez suivi tout le truc gris, vous allez arriver là, à ce petit truc. Et là, et donc là vous pouvez construire, sinon vous pouvez y aller avec vos planches directement, elle peut faire tout ce circuit.
Mais bon, voilà, comme vous allez voir, je vais prendre un mur invisible. Mais bon, il m'a pas buté. Il m'a pas buté. Et voilà, donc là, je me suis pris un mur invisible. Mais bon, ça ne nous gêne pas pour notre glitch. Et là, c'est là l'endroit où je vous disais, vous allez pouvoir sortir, les gars. Donc voilà. Regardez bien. Donc là, c'est un peu dur, mais vous aurez dû aller un peu plus loin. Parce que moi, j'ai fait un peu de la merde, et voilà. Donc là, vous êtes sorti. Et donc, c'est parti pour le deuxième glitch que j'avais déjà fait. Du coup, j'ai déjà pété la plaque comme la petite tower. Donc là, vous allez dessous. Donc c'est l'endroit où il y a les camions, il y a une porte normalement. Et dessous, il y a un chiotte si vous prenez l'escalier. Donc là, vous mettez une plaque. Comme moi dans la vidéo. Voilà. Là, vous mettez votre plaque. Et là, là vous pouvez pas aller dessus. Et vous pouvez tirer à travers cette plaque. Donc je vais bien vous faire voir qu'il y a une plaque dessus. Donc ça, c'est cheaté. C'est le même glitch qu'elle peut être. Je l'ai déjà répété au moins 3 fois. Et donc, regardez, je vais vous faire voir. Puis après, les gars, ce sera la fin de la vidéo. Voilà. Et regardez, quand vous allez dessus, donc vous pouvez vous barricader derrière. Regardez, vous sortez. Je vais pas aller tout droit, mais je suis beaucoup. Là, regardez, là, on voit le bout de notre escalier. Et là, il y a une plaque. Bon, moi, les gars, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Et bon game.